Bonjour et bienvenue sur cette formation. Donc, beaucoup de personnes ont effectivement réclamé d'avoir une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, je veux dire réseaux sociaux, je vais essentiellement parler de Facebook, enfin, voire même exclusivement parler de Facebook, puisque c'est celui qui nous intéresse et celui qui nous concerne. Les autres dans notre métier aujourd'hui n'ont pas réellement un grand intérêt, à mon sens, bien évidemment. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, eh bien, n'engage que moi, bien entendu. Maintenant, un point important, pourquoi je vous dis Facebook? Tout simplement parce que ben aujourd'hui c'est une part vraiment très très importante de l'utilisateur déjà dans le monde, mais comme vous pouvez le voir ici, normalement c'est le réseau social le plus utilisé. Donc bon, les plus utilisés c'est Facebook et YouTube, mais YouTube dans le cadre de notre métier, bon, il y a assez peu d'intérêt. En revanche, Facebook énormément, et surtout ce qu'on peut constater ici, c'est que la part des utilisateurs en France est vraiment importante sur le nombre d'utilisateurs dans le monde. Tout simplement parce qu'on a un pays, malgré tout, qui est hyper bien câblé, enfin qui a un très très bon réseau, une grosse couverture réseau. Et pour en avoir discuté avec de la famille qui habite aux États-Unis, eh bien, c'est loin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, d'être le cas là-bas. Ça leur coûte beaucoup plus cher. Eux, ils nous disaient qu'ils dépensent, je crois, 400 euros, enfin 400 dollars, pardon, par mois, pour entre téléphone portable et Internet. Donc c'est juste énorme par rapport à nous. C'est pas dire que c'est 10 fois plus, mais pas loin, quoi. Donc voilà, ça peut expliquer aussi les raisons qui font qu'aujourd'hui en France on a vraiment beaucoup d'utilisateurs au niveau d'Internet et que c'est un peu dommage de se priver de cet outil-là. Donc petite précision cependant, si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, voilà, de l'Internet et tout ça, c'est super. Si c'est pas le cas, bah, n'en faites pas une montagne non plus. C'est dommage de s'en priver, mais c'est pas non plus, faut pas non plus que ça devienne une source de stress ou que ce soit quelque chose qui ne soit pas agréable pour vous. Donc voilà, maintenant si vous avez envie de l'utiliser, alors autant l'utiliser correctement et intelligemment, parce que ça peut être très intéressant comme très contre-productif si on ne fait pas attention à certaines règles. Donc autant les respecter. Je me suis beaucoup intéressée aux réseaux sociaux et notamment à Facebook, par le développement de mon activité annexe, notamment au niveau du hors coaching ou hors connexion. Donc voilà, effectivement, pour faire connaître un petit peu d'autres activités ou se faire connaître, ben, ça reste aujourd'hui un vecteur très intéressant. Autrefois c'était Google, aujourd'hui Facebook est passé devant Google en termes de publicité, puisque Facebook a énormément évolué et fait évoluer les possibilités. Donc voilà, c'est des possibilités quand même importantes. Et vous allez le voir, nous au niveau de l'activité, il n'y a vraiment pas besoin de savoir faire grand-chose. Il faut vraiment rester super simple et rester comme on est dans la vie de tous les jours. Voilà, partager, continuer à partager simplement, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est ça qui est important. Les autres réseaux sociaux, j'en parle pas forcément parce qu'honnêtement, il n'y a pas un gros gros intérêt dans notre métier, voire même pas d'intérêt du tout. Donc voilà, je vais passer outre les autres réseaux sociaux, on va se concentrer sur le principal, à savoir Facebook. Donc pour vous donner quelques chiffres sur l'évolution de Facebook, c'était quand même 197 millions d'utilisateurs en 2009. C'est passé à 1,64 milliard d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire actifs par jour, dont, comme je vous le disais, 84,2% hors États-Unis et Canada. Et une grosse part en France, comme on a pu le voir juste avant. 1,51 million sur mobile par mois. Plus en plus de personnes se connectent à la fois sur l'ordinateur et sur le mobile, et il y a même des personnes aujourd'hui qui n'ont même pas d'ordinateur ou qui n'ont pas internet sur leur ordi, qui n'ont que leur portable. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est un vecteur de communication particulièrement intéressant, puisque tout est optimisé pour que ce soit hyper fonctionnel sur les mobiles. Et 66% des utilisateurs qui se connectent chaque mois, donc c'est considéré comme des utilisateurs actifs, eh bien, utilisent Facebook chaque jour. Donc, c'est vous dire qu'il y a quand même un marché important et il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. La première des choses à faire, c'est de protéger sa liste d'amis. Ça, c'est très très simple. Pour ça, vous allez tout simplement sur votre compte Facebook. Et j'y vais revenir après. Je parle bien d'un compte et non pas d'une page et on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, vous allez sur votre compte et vous allez donc cliquer sur Amis. Vous cliquez sur le petit crayon. Où il est noté gérer quand vous passez votre curseur dessus. Vous allez ensuite modifier la confidentialité et, alors, surtout sur la première partie, cliquez sur moi uniquement, sur qui peut voir votre liste d'amis. Après, les deux autres parties, vous lisez à quoi ça correspond, vous voyez ce que vous voulez, peu importe, c'est pas le plus important. Par contre, la première colonne, enfin la première partie est vraiment essentielle.
Ça va vous permettre tout simplement, et n'oubliez surtout pas par contre de cliquer sur OK hein, pour bien valider, ça va permettre tout simplement d'éviter que la liste de vos amis soit visible par tout le monde. Les personnes qui vont pouvoir, qui vont se connecter avec vous, qui vont être amies avec vous, ne verront que les amis que vous avez en commun. Les gens qui ne sont pas amis avec vous verront rien du tout. Et les gens qui sont amis avec vous ne verront que les gens qu'ils ont eux-mêmes déjà en amis. Et de cette façon-là, bah, vous n'irez pas vous faire, entre guillemets, pirater votre liste d'amis. Alors, il y a deux raisons essentielles à ça. La première, bah, c'est pour éviter que vos amis, votre famille, ainsi de suite, soient embêtés par des gens qui viennent faire de la publicité non sollicitée, parce que ça existe avec les mails, mais aujourd'hui, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, et notamment Facebook. C'est tellement simple. Puisque vous allez le voir, le but d'avoir un compte Facebook, c'est de pouvoir accepter des gens en amis, et pas que des gens que vous connaissez, du coup. Donc, la règle numéro 2, c'est de dissocier votre compte perso et votre compte pro. Si vous êtes vraiment un fervent utilisateur de Facebook, et ben, que vous avez l'habitude de publier plein de trucs, que vous racontez votre vie et que vous faites partie des gens qui jouent, qui publient ce qu'ils ont mangé, qui ils ont vu, ce qu'ils ont fait, enfin 10 publications par jour, créez-vous un second compte spécial business pour n'y mettre vraiment que les publications business. Alors, je vais y revenir vraiment là-dessus, c'est pas mettre que les publications spécifiques MLM, mais avoir un côté pro et donc dissocier vos publications perso. Alors vous allez me dire oui, on peut effectivement choisir à qui on publie et mettre en public uniquement les choses qu'on veut mettre en public et uniquement visible de ses amis ou si on a fait un groupe famille par exemple, si on le souhaite. Sauf que vous allez le voir, le but ici c'est justement de pouvoir demander ou accepter en ami des personnes que vous ne connaissez pas forcément ou pas vraiment, que vous avez juste rencontré comme ça. Et donc, ben, ça devient vos amis. Donc, du coup, ben, dès que vous allez publier un truc, ils vont le voir aussi. D'où l'intérêt vraiment d'avoir un second compte. Et sur ce compte, enfin sur votre compte actuel, modifiez votre nom, si c'est votre nom et votre prénom avec votre photo. Moi, je vous invite à mettre un pseudo, votre surnom. Et comme ça, sur votre compte que vous allez utiliser pour votre business, eh ben, c'est de mettre vraiment votre vrai nom, votre vrai prénom avec votre photo, de façon à ce que les gens puissent vous identifier, parce que c'est carrément l'objectif. Donc, votre compte Facebook ainsi créé devient votre vitrine. Donc lui, il doit refléter votre personnalité. Donc ce qui est vraiment important, ce que vous allez voir là, c'est que vous allez pouvoir de cette façon créer un lien avec des personnes que vous avez peut-être simplement croisées une fois, en faisant une enquête de rue, à un apéro chez des amis, à votre nouveau club de sport, ou votre nouveau loisir, et voire même vos prospects internet qui ont aujourd'hui aussi le réflexe de bien voir qui vous êtes. Et vous allez même pouvoir même vous faire la démarche quand vous avez eu la personne au téléphone, bah de lui proposer de voilà, lui dire bah écoutez, hein, si vous êtes d'accord, je vais vous inviter sur Facebook si vous avez un compte, comme ça voilà, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on fait. Ça peut être très rassurant, vous savez que notre métier c'est rassurer, rassurer et rassurer. Donc ça peut avoir un côté très rassurant, d'où l'importance d'avoir un compte business. Qui soit vraiment une vraie vitrine inspirante et donc pas sur laquelle vous allez raconter votre vie, vos malheurs, voilà, l'après-midi passé chez Tantine et compagnie, parce que ça, du coup, ça intéresse personne. Par à part vous, souvent, parce que vraiment, moi, il y a des personnes qui mettent absolument tout, je trouve que c'est chiant en fait, franchement. On finit par se désinscrire ou ne cliquer sur ne plus suivre ou même carrément de supprimer la liste d'amis parce que les gens qui mettent 10 publications par jour sur leur vie sans que ça l'amène à rien du tout, bah dites-vous bien une chose, c'est que Facebook, c'est comme le reste en fait, hein, quand vous publiez quelque chose, l'intérêt c'est de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc comme on dit toujours, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, donc, c'est intéressant de savoir si ça va lui apporter quelque chose ou pas. Ça lui apporte rien, ben, des fois, il vaut mieux se taire. Ben, là, c'est un peu la même chose. Quand ça apporte rien, il vaut mieux pas publier, quoi. Donc, ce que vous faites habituellement, c'est votre problème. Faites ce que vous voulez, continuez à le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne le faisiez pas, ben, voilà, vous allez pouvoir dissocier. Et si vous le faisiez et que vous avez accepté des amis qui ne sont pas vraiment des amis sur votre compte actuel, je vous invite de les supprimer en les invitant à venir, enfin, en les invitant avec votre nouveau compte sur lequel vous allez pouvoir vraiment mettre que du. Et comme ça vous permet de gérer vos publications en fonction de ce que vous voulez faire et à qui ça s'adresse. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir créer un lien et donc de pouvoir inviter des personnes que vous ne connaissez, qui ne sont pas vraiment vos amis proches, avec lesquels vous ne partagez pas toute votre vie, voilà. Hein. Et donc, bah, d'avoir comme ça une page qui va être votre vitrine, qui va refléter votre personnalité, parce que c'est vraiment souvent ce qui se passe et ce qui se produit de plus en plus. Moi, je fais partie du bureau du centre équestre dans lequel je monte, enfin, et surtout ma fille d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a fait des entretiens d'embauche l'année dernière.
Et donc, pour ces entretiens d'embauche, forcément, on a reçu des CV. Et moi, c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu, bah, c'est d'aller regarder sur Facebook qui étaient ces personnes. De façon à me faire une idée déjà avant de les recevoir, parce qu'on sait qu'un CV, souvent, il est fait par d'autres personnes, on est aidé, etc. Les lettres de motivation, c'est tous les mêmes. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, d'aller regarder quelle est la personnalité, eh bien, c'est très intéressant. Et au travers des photos, des publications, on voit vraiment qui est la personne. Voilà, son état d'esprit, ce qu'elle a vraiment, enfin, ce qu'elle fait déjà, etc. Donc, si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Donc là, du coup, ça sert vraiment pour voir qui on est, et ça sert du coup côté pro. Et quand on a rencontré les personnes en entretien, et ben du coup, je me suis pas trompée, c'était tout à fait le reflet de ce que j'avais vu sur Facebook. Donc, vous allez avoir des prospects qui vont avoir ce même réflexe, qui vont venir voir qui vous êtes, sans forcément vous demander en ami non plus. Donc, voilà. Ça, dites-vous bien une chose, c'est que du coup, ça devient votre vitrine. Et bien évidemment, bien plus qu'un site internet, ou voilà, aujourd'hui, ce qu'on dit site internet, c'est pas franchement porteur et intéressant dans notre business. Par contre, un compte Facebook qui reflète vraiment notre personnalité, alors ça le devient. Donc attachez-vous à rester pro et servez-vous de ça uniquement pour votre business. Alors, quand on parle de votre business, ça ne veut pas dire qu'il faut publier que des choses, et d'ailleurs même au contraire, surtout pas. J'ai vu trop de personnes créer des comptes, voire même des pages, et ça c'est encore pire, on va y revenir après. La page Facebook aujourd'hui, à part pour, j'ai envie de dire, les leaders qui ont déjà une équipe, et ainsi de suite, ça peut avoir un intérêt, et j'aimerais envie de vous dire, et encore. Par contre, surtout, le but n'est pas de mettre que des publications business, de machin, tout simplement parce que ce n'est pas inspirant. Les gens, si vous les demandez en ami, ou s'ils vous demandent en ami, s'ils viennent voir ce que, même s'ils viennent vous demandent pas, mais qu'ils viennent voir ce que vous faites, ce qu'il faut, c'est qu'ils voient qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez. Voilà. Parce qu'on le sait très bien, dans notre métier, on a 50%, c'est les produits et la société. 50%, c'est vous. Si ce n'est pas plus, d'ailleurs. Donc, notre personnalité, qui on est, va faire une grande, grande, grande différence dans le choix des personnes. Donc, dans le fait que les gens vont vous suivre ou non. Quand je dis 50-50, je suis sympa, quoi. C'est plus que ça. C'est même plutôt du 80-20, comme d'habitude, d'ailleurs, c'est toujours du 80-20. Donc, ce qu'il faut publier, c'est faire une bonne balance entre les publications business et produits et les publications que vous appréciez, qui montrent qui vous êtes, ce que vous avez fait, qui montrent ce que vous éclatez dans votre métier, pourquoi vous l'appréciez, sans faire le gros lourd, mais justement en mettant, voilà, j'aime mon métier et le montrer, comme j'ai pu m'amuser à faire moi quand je mets une photo en mettant mon bureau du jour, génial, effectivement, j'ai fait, il y a une semaine, toute une série de coaching avec des leaders sur la plage, on a fait une sortie plage, voilà, pendant que certains allaient s'amuser, moi j'ai passé l'après-midi au bar, c'est quand même vachement plus sympa que de le faire enfermé dans un bureau. Et au téléphone, par exemple. Donc là, c'était quand même vachement plus agréable. Des fois, je vais même du côté des Sables d'Olonne et je fais mes appels de là-bas. J'ai vu sur la mer, enfin, c'est juste magique et ça m'empêche pas de bosser. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent de faire ça. Voilà, il fait beau, hop, je prends ma voiture, mon ordi, mon téléphone. Des fois, même pas mon ordi, juste mon téléphone et mon iPad et roule ma poule. Ça, c'est ça qu'on peut montrer aux gens. Voilà, les causes que vous défendez, ce que vous appréciez, ce que vous faites comme activité, hein, à côté. Bref, voilà, tout ce qui reflète votre personnalité et qui vont faire que vous allez parrainer des gens qui vous ressemblent, voilà, qui vous allez donner envie, que ce soit client ou partenaire, de vous suivre. Donc, vraiment très très important, attachez-vous à montrer qui vous êtes, dites-vous bien qu'à chaque fois, c'est votre vitrine, et comme nous, on n'a pas de vitrine à côté, eh bien, c'est vraiment ça qui devient notre vitrine. Donc, restez bien sûr pro et inspirant, donc ça je viens d'en parler. Vous pouvez effectivement mettre des témoignages, quelque chose de mis en scène, qui donne envie. Bon, mais même chose, pas d'allégation médicale, pas d'exagération, bref, une véritable honnêteté. En fait, ce que vous allez publier avec Facebook, il faut que ce soit exactement la même chose que ce que vous feriez en face à face avec quelqu'un. Vraiment, vraiment, quoi. Donc, pas plus, pas moins. Et attention à ce que vous partagez. Alors ça, par contre, c'est vraiment, vraiment important, parce que quand on dit partager des choses qui vous inspirent, eh bien, c'est surtout pas des choses qui sont pour envoyer faire de la publicité pour d'autres personnes. À chaque fois que vous allez cliquer sur une publication, regardez vers quoi elle renvoie et surtout vers qui. Parce que le nombre de fois où j'ai vu des gens partager les publications parmi mes partenaires, vers un autre groupe, là, en l'occurrence, c'est aussi un autre groupe. Mais parfois, c'est même carrément un concurrent, quoi. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que les gens qui publient, plus les publications sont belles et bien faites et machin et qui semblent pro,
Plus vous avez de chance pour que ça soit fait par quelqu'un qui aura pris le temps de le faire, qui aura des fois payé pour ça, et donc du coup c'est pas gratuit, donc c'est pas gratuit pour lui, c'est pas gratuit pour vous, hein, forcément. Donc c'est pour se faire de la pub. Donc attention ce que vous publiez. Donc il y a des choses où c'est pas dérangeant, ça renvoie vers des sites qui sont généralistes et qui du coup ça gêne pas, hein, mais des fois c'est directement un concurrent, donc bon, c'est un peu dommage. Et attention également au droit à l'image, parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on peut enregistrer, republier? Bon, bah, faut faire attention à qui ça appartient, etc. Donc toutes ces petites choses-là, ça reste du bon sens, mais c'est pas parce que c'est facile et que c'est Facebook qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut pas faire attention. Voilà, ne faites pas plus que ce que vous feriez, comme je vous disais, en face à face, et ne faites pas plus non plus que ce que vous feriez sur un site internet. Vous ne mettriez pas n'importe quoi sans réfléchir. Bah là, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est tellement facile de cliquer sur j'aime ou de partager, parce qu'on a trouvé ça chouette, que des fois on fait pas attention. Et c'est vraiment ça une grosse grosse mise en garde que je veux mettre. Et c'était aussi important de se dire, ok, utilisez Facebook, d'accord, mais utilisez-le intelligemment et correctement, parce que contre-productif, là on y est vraiment complètement, quoi. D'accord? Donc ça, vraiment important, quand vous publiez un truc, si vous aimez la publication, cliquez dessus, regardez où ça mène, et en fonction, et regardez vraiment où ça mène, sur quel site, sur quelle page, et avant de publier. Règle numéro 4, c'est vraiment respecter les gens et comportez-vous comme vous vous comporteriez à l'extérieur. C'est exactement ce que je disais juste avant. Hein. Faites comme ce que vous faites, c'est comme si vous faisiez avec quelqu'un en face à face. Donc si vous contactez les gens, si vous avez rencontré des personnes, que vous leur ayez parlé de votre business ou pas, à ce moment-là, hein, que ce soit par internet, en face à face, peu importe, ne commencez pas par leur proposer quelque chose. Intéressez-vous à eux, ce qu'ils font, ce qu'ils, voilà. Enfin, soyez comme vous seriez, comme vous feriez, voilà. Parce que si vous faites comme ça avec les gens dans la rue, bah, faut pas s'étonner que ça démarre pas terrible, quoi. Bah, ce sera pareil avec Facebook, même encore pire. Donc voilà. Par contre, si vous avez cette capacité de créer un lien, à discuter avec les gens, à vous intéresser sincèrement aux personnes, eh ben, c'est vos publications qui vont faire le travail. C'est pas le fait que vous allez proposer directement, attendez qu'on vous demande. Surtout, attendez qu'on vous demande. Et d'où l'intérêt d'être inspirant. Et vous allez voir que ça a un intérêt pour vous après, juste après, qu'on va y revenir. Facebook pour le développement local, vous pouvez aussi utiliser Facebook pour développer autour de chez vous. Auquel cas, bah c'est pareil, c'est du travail sur du long terme, ça par contre. Mais c'est le fait de s'insérer si vous avez décidé de travailler localement et de participer un petit peu à ce qui se passe autour de vous, les associations de commerçants, les associations sportives et ainsi de suite, vraiment dans le local, eh bien, là c'est pareil, c'est partager ce que font les autres. Voilà, faites la même chose que vous feriez, enfin, que vous faites localement. Et on utilise Facebook pour ben, publier des choses locales. Ça montre à vos partenaires que vous êtes, ou à vos prospects que vous faites partie, à vos clients surtout, que vous êtes actif dans la vie locale. Les gens adorent ça. Et ça permet de mettre de temps en temps vos publications sur vos présentations d'affaires, par exemple, mais également bah, les portes ouvertes du nouveau fleuriste. Enfin, du nouveau fleuriste, ça ne fait pas des portes ouvertes, mais ça peut être l'ouverture d'un nouveau fleuriste, ça peut être les portes ouvertes du club de sport local, etc., etc. Parce que si vous le faites pour eux, il y a des chances pour qu'ils le fassent pour vous, et vous allez capter aussi les gens qui les suivent, eux, etc., etc. Donc là, du coup, ça a un intérêt de partager la publication du club de sport, parce que la publication du club de sport que vous aurez partagée, bah, les gens vont voir votre partage, et donc vous faites de la pub. Et là, il y a vraiment un intérêt. Donc, travail sur du long terme, mais qui peut être très intéressant et qui va montrer aussi que vous vous intéressez sincèrement aux gens, à ce que font les autres, etc., etc. Donc voilà, sur le côté social, les personnalités jaunes vont adorer, quoi. Donc voilà, les avantages, c'est bah, de pouvoir faire un bilan quotidien de votre journée en y mettant vraiment le côté positif. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aux enfants, c'est dire, Ogé, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui dans ta journée? Et le fait de dire, je vais mettre une publication par jour, et on va y revenir, c'est vrai que c'est l'idéal de mettre une publication par jour, eh bien ça permet de, voire deux, hein, mais pas trop quand même, pas peu, pas trop peu, pas trop. Donc dans ces publications-là, mettre un bilan de sa journée en disant, qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui, qu'est-ce que votre activité vous a apporté aujourd'hui, eh bien non seulement ça va apporter aux autres, à ceux qui vont vous lire, mais ça va vous apporter à vous aussi, ça va vous obliger, même si vous avez une journée qui vous a semblé un petit peu pourrie, eh bien en ressortir le meilleur. Et ça permet de garder une attitude positive, donc c'est complètement génial. Voilà, Facebook, donc comme on disait, vous permet de créer, de conserver un contact avec vos clients, vos partenaires, vos prospects. Et ce, de façon très très simple, en y passant peu de temps par jour, donc chose qui serait impossible à faire autrement, et bien l'avantage de Facebook, c'est que ça permet de conserver ce contact. Donc ça, c'est carrément, carrément top.
Donc là, ça devient un gain de temps. C'est pour ça que, comme on disait, hein, Facebook, ça peut être productif et contre-productif. Ça peut être un gain de temps comme une perte de temps. Tout dépend comment on l'utilise. Ça peut devenir un gain de temps pour ça. Et il permet également, et chose très pratique, de téléphoner même si on n'a pas le numéro de téléphone de la personne, de chatter, etc. Donc ça, c'est super sympa. Ça permet de garder encore une fois un lien, mais aussi des fois, on n'a pas les coordonnées de la personne. On l'a juste en ami sur Facebook, on a juste son contact et on peut aller le contacter directement par chat ou par téléphone. Et ça, c'est super pratique aussi. Donc voilà, beaucoup d'avantages à utiliser. Par contre, petite mise en garde et recommandation, maximum 20 minutes par jour. Sinon, effectivement, vous allez passer comme pas sérieux et surtout vous allez perdre votre temps, ce qui est encore. Enfin, ce qui est pire, je sais pas lequel des deux est le pire, mais en tout temps, dans tous les cas, c'est pas top. Donc si vous avez tendance à dépasser, bah, vous pouvez vous connecter sur le site keepmeout.com/fr. Mais bon, de toute façon, si vous tapez keep me out, vous allez tomber dessus. Et vous pouvez donc programmer le temps que vous souhaitez passer sur tel ou tel site internet et réseau social. Et enfin, c'est super génial parce que du coup, ça vous évite de les passer. Vos fréquences de publication. Donc, une à trois publications par jour, grand maximum. Trop peu, si vous en mettez une par mois, vous perdez le fil. Enfin, les gens, oui, verront à peu près qui vous êtes, mais pas trop. Et vous ne créez pas un lien comme ça. Par contre, plus que trois par jour, c'est trop. Donc, une, deux, moi je trouve que c'est bien. Fuyez les groupes MLM ou autres, ça c'est. Évidemment, à l'intérieur, il n'y a déjà que des gens qui font du MLM. Donc, à part. C'est un vivier à prospects. Donc, voilà, le but, c'est que les gens, pour ceux qui les créent, c'est de venir aller proposer l'activité aux autres. Donc, ça c'est à fuir à tout prix. Ça fait absolument pas sérieux. Et petit message personnel, merci de ne pas. Inscrire des gens dans des groupes, parce que moi j'ai régulièrement des personnes qui me collent dans des groupes et j'ai horreur de ça. Si je veux faire partie d'un groupe, j'en fais la demande, mais en aucun cas je n'ai envie de me retrouver dans un groupe quand je ne l'ai pas sollicité. Et ça m'arrive trop régulièrement, donc voilà, ça m'a pour moi comme pour tous les autres, vous ne mettez pas des gens dans des groupes s'ils n'ont pas fait la demande. Donc voilà, parce que ça c'est très 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 désagréable. Et ne le faites pas, surtout pas avec vos clients, vos prospects et ainsi de suite. Hein. Mais alors surtout, surtout pas, quoi. Parce qu'alors moi, je trouve ça vraiment incorrect et irrespectueux. Un compte Facebook et non pas une page. Et ça, c'est vraiment important. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'expliquais, le but du compte Facebook, c'est justement de créer un lien, de devenir proche de la personne. On a un métier, justement, qui à la base est du face-to-face. Et c'est pour ça que ça fonctionne. On donne confiance, on crée cette relation du fait que. On est vraiment, on se place pas en super pro du machin, mais on se place en ami justement. Et les gens viennent nous voir pour ça. Comme je disais tout à l'heure, 80% grosso modo, c'est pour vous et non pas pour la société, les produits et ainsi de suite. Et c'est ça qui est très important. Jean-Marc l'a assez souvent répété. Ce qui est important dans le marketing de réseau, c'est le réseau. Ça, c'est vraiment vraiment essentiel. Il faut bien le comprendre parce que c'est pas du tout la même chose que pour une page. Une page, elle est faite pour. Une page, c'est comme un site internet. Une page, ça va être utile pour. Je vous donne un exemple tout simple. Ma sœur, par exemple, travaille dans une boutique de bijoux fantaisie. Et va ouvrir enfin, une page Facebook pour sa boutique. Les gens viennent à la boutique pour ce qui est à l'intérieur. Pour les. Alors, évidemment, elle fait la différence en tant que vendeuse si elle est performante. Mais ce qui va intéresser les gens, c'est ce qui est à l'intérieur. Et donc là, il y a un intérêt à créer une page. Mais dans notre activité, au niveau du marketing relationnel, c'est la relation qui compte. Si vous mettez que des publications de produits ou de business, mais sans parler de vous, ben ça n'a aucun intérêt. Et vous ne pouvez pas créer un lien avec une page. Tout simplement parce que dans une page, on n'a pas d'amis, il n'y a pas d'interactivité, vous n'allez pas pouvoir suivre ce que font les personnes avec qui vous êtes justement en ami. Et en plus, on casse complètement ce côté ben, relation, le lien, machin, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, la page, elle est plutôt à bannir. Donc, un compte, comme je vous le disais, donc c'est ça, c'est ce que j'ai créé moi, ça c'est mon compte sur lequel je partage ben, qui je suis. Et notamment, j'y mets bah, ce que j'aime. Par exemple, là, la dernière truc que j'ai publié au moment de faire cette vidéo, c'était ben, une publication sur le dernier festival de danse qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon, auquel on a participé. Voilà, bon, ça montre que, ben, voilà, que je fais cette activité-là. Un coup, j'ai publié une publication sur les chevaux, mais aussi j'ai publié une publication sur mon activité. Les gens savent qui je suis. Ça, c'est l'intérêt du compte. Donc voilà. À vous de jouer, créez votre compte, comme je vous ai dit, et bien, oui, non, page business si besoin. Sinon, modifiez la vôtre, partagez-les, bien entendu.
Partagez les publications qui vous inspirent, à condition que vous ayez vérifié avant où elles mènent. Obligez-vous à mettre une publication inspirante ou une info du groupe chaque jour, ça vous obligera à garder une attitude positive. Et si vous le souhaitez et si vous vous en servez, alors dans ces cas-là, je vous invite à ajouter votre compte Facebook sur vos cartes de visite à la place de vos sites internet, parce que je trouve, en ce qui me concerne, que c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, sur votre compte, après, du coup, vous pouvez renvoyer vers votre site si vous en avez un. Mais la personne va vous découvrir beaucoup plus au travers de votre compte Facebook qu'au travers d'un site internet qui va être impersonnel, voilà, où ils en ont trouvé 10, où ils peuvent se tromper en plus et tomber sur quelqu'un d'autre. Votre compte Facebook, c'est vraiment le vôtre. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très très bon succès et au plaisir de vous retrouver sur des formations. Bye bye !